إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ فريج نو قلت له ساكن نجي بون لا دينيير فوا بويمان كيت شوز كي ان كرويون بيزين لا كونفيكسيون سي بور اكزومبل Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, quand une personne agit bien avec vous, ou dit à lui, Jazakallahu khayra. Première chose qu'il nous apprend, l'Ibo nous connaît, qui ne nous pas dit Jazakallah. Mais nous disons ajouter le mot khayra là-dedans. Qui fait? Parce que jaza veut dire récompense. Ka veut dire toi. Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on dit, Allah récompense toi. Moi, arrête la même. Je fais une faute. Qui faute? Parce que le mot jaza, récompense, l'évine aussi pour une mauvaise quelque chose dans l'île. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, fa jaza uhum jahannam. J'avais le mot jaza. Donc, quand nous disons jaza qu'Allah, nous allons préciser laquelle. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, quand nous disons jaza qu'Allah khayra, quand nous amène le mot khayra, ici qu'il y a du bien là. Parce que le mot jaza, il vient aussi récompense en genre de punition point jimoun. Deuxième petite chose qu'il nous apprend, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, c'est lui qui dit ça à une personne, après avoir qu'il y fait gagne un aide ou bien n'importe quoi, il fait exagérer de récompense du monde. Veut dire un frère aide-moi, moi je dis jazakallahu khayra. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, mon exagéré, comment dire, de demander récompense pour lui. Elle comprend si ce mot-là, qui a été ena suffisamment de reconnaissance, de récompense, comme on dit ça, on veut un frère, un siècle, un demi. Cher frère, le mot merci, pas ta son nom, ça. Il n'est pas ta son nom, hein. Ok, merci beaucoup, toi. Hein? Ça pour courtoisie. Mais seulement, pour un croyant, il est bien connu que ce moment-là, quand il peut dire ça, c'est plus grande récompense qu'il a dit à Dimouna. Ensuite, troisième, il est bien gagné satisfaction. Comme on connaît, que quand un Dimouna dit à moi ça, vraiment une grande récompense là-dedans. Là. Il te parle quoi, moi, il dit, et il dit, moi, c'est Jazakallah khayr. J'aime tout le monde, moi. Ah, on veut dire, tu as la conviction là-dedans, à l'os. Tu as la conviction là-dedans. Nous visons une personne qui nous vive nos iman, nous vive nous la foi, nous vive nos croyances. Iman, pas dans livre, pas de causer, pas de tonder ça. Iman, croyance, c'est vivre avec. Comment nous vivons? C'est comme on fait l'action, moi t'as une récompense. Là, moi fait que fini faire ma grippe. Faudrait pas me sentir moi misérable. Faudrait me satisfaire. Alors, moi, la roi, t'as la fin choisir moi pour faire ma grippe en diamant. Faudrait pas vous prendre une question de normal. Et là, combien de monde reste à l'entour, ma zine? Est-ce qu'il y a autre jeune? Pas veut dire nous meilleur.
Mais seulement Alain choisit oui ou non. Vous êtes content ça? Pareil, comment quand Jimoun fait péché, ou Djali te va payer à l'attrape-toi, mais qui fait quand Jimoun fait ça qui est bon, il va dire Djali, Allah vous récompense-toi. Même nos enfants dans la case, quand il fait un mauvais, il va dire Djali, Allah pas content seulement ça, hein? Ok. Mais quand il fait ça qui est bon, qui fait ça pas Djali, Allah bien content ça qui est fait là. Qui fait ça bout là, nous pas Djali. On dirait nous servir Allah juste pour effrayer les autres. Qui au fait, Allah subhanahu wa ta'ala a pris beaucoup bon. C'est pour ça que dans Surat al-Fatiha, quand il explique nous concernant lui-même, il y a mis ce pitié avant. Ar-Rahman ar-Rahim. Pour faire nous connaître, nous avons un bon Allah. Concernant coller et punition, ça se mérite de vous gagner. Mais seulement, les bons arabes là. Faudrait me vivre. Je finis de faire namaz, je débute, je fais mon sunnat, je finis de faire namaz, je fais mon ban tasbi. Faudrait me content, alhamdulillah. Faudrait me ressentir ça. Et faudrait me garder l'espoir qui m'a pour être récompensé pour ça. Qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, Man sama Ramadan, celui qui garde rosa Ramadan, iman wa ihtisaba, avec la foi et l'espoir pour les gagner récompense. Il faut une partie de nous, les efforts qu'il nous fait. Garde ça l'espoir là, frère. Ici, ce n'est pas l'espoir qui va voler ça. C'est vous dire, ou bien tan, bonjour, pour gagner mon récompense. Donc, un djimoun, il a besoin de vivre avec. Deuxième exemple, une madame vient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit comme ça, nous a passé l'eau là. Ya Rasulallah, est-ce qu'ils vont prendre la djanna? Et madame là, tu es âgée? Elle a dit non. Madame l'a pleuré. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui est son compagnon, Jésus, dit à lui, il va prendre la djanna à l'âge là. Il prend la djanna à l'âge de 33 ans. Veut dire ça, madame là. Il peut vivre avec l'espoir pour tous ces efforts qu'il peut faire pour lui gagner quoi? Djanna. Ça n'est pas de tranquillité, oui ou non? Ça n'est pas de tranquillité. Pas besoin plus que ça. Pas besoin plus que ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, chers frères, dans Ramadan, salat qui vient après Isha, après appelle salat ou tarawih. Au fait, moi, je trouve le Louis Kalir. 20 rakat. Là, il m'a amené à l'île lente. Tout m'a dit, fini 9h30, il finit 10h-10. Je vais terminer là, moi. Chers frères, à part ça, hein? Dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand on a fini Tarawih, je disais bien faire vite à la case ton chenou ratséri. Nous n'avons pas le fait, nous, hein? Sinon, on va gagner des doigts. Zis pour me comprendre, qu'il y a maintenant tu peux terminer. Bien faire vite retourne la case ton chenou ratséri. Elle comprend qu'il est terminé à l'os. Mais seulement en même temps, Namazak m'a appelé Tarawi, vous ne pas connaître Tarabi, au fait c'est Tarawi, ok. Tarawi dérivé du Kimo, Raha. Raha qui veut dire repos. Au fait, sa Namazak, il mettait de Ramadan, parce qu'une journée avec la fatigue, God Rosa, etc. Un djimoun qui fait sa namaz là, au fait, les tibisiens peuvent gagner sa tranquillité là-dedans. La cause à Pélis, c'est la toute tarawih, frère. Là, je peux causer, je peux rôder bon maziné, comment on gagne tranquillité de namaz tarawih, je peux rappeler. Parce qu'il me peut dibout avec l'intention 4, 8, 12, il y a long, il y a court, laquelle imam. Si l'imam sort de haut, correct. L'imam me dit que je ne vais pas faire. Hein, la cause est faite à la 8 heures. Mais seulement, nous ne pouvons pas connaître qui, au fait, nous tranquillité dans Ramadan pour nous reprendre la force avec qui namaz? Avec namaz Tarawih.
Sadine. Qui au fait, m'a gagné tranquillité jusqu'à ce que tu as une petite dîner avec moi. Le prophète content ça. Le prophète fait ça. Allah content ça. Tu as gagné ça. Il suffit, frère. Il suffit. Et dernier exemple, c'est Ibn Omar radiallahu anhu. Ibn Omar radiallahu anhu, cher frère, il fait un voyage. Un voyage. Il veut dire, chameau, un coup, il arrête sa caravane l'année. Il arrête de tout. Je dis, un moment. Il descend, il y a le désert, il y a la toilette, ensuite il revient. Tu n'attends ni. Le temps, il retourne, il dit, je dis. Mon désert trouve le prophète à la toilette là-bas. La cause, mon enfant, toilette là-bas. Elle comprend à qui point je suis le prophète, oui. Il arrête une caravane. Juste la colline déjà trouve le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait à Sakshouna, il fait pareil. À qui point, frère? Sa tranquillité qui gagne quand suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faudrait vraiment au fond de moi me ressentir, frère. Ou pour gagner un goût, ça, un goût. Pareil comme de manger ou gagner un goût. Pareil comme ça même dans l'ibadat, Allah il a un goût. Faudrait nous gagner ce goût-là. Mais ce qui est avec nous, c'est qu'on nous dit de raconter « Innahu la yadhillu man walayt » Comme au fin de dire, Allah subhanahu wa ta'ala m'explique-le. « Oh Allah, personne pas pour capable humilier un quelqu'un qui toi te prends sur tes choses. » Faudrait moi aussi comprendre ça. Mon comprend quoi? Mon comprend qui un seul lui qui Allah il prend les choses, paye une personne pour capable dénigrer lui. Ok, allez, right, mon comprend. Si mon comprend ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, man sallal fajr, fa huwa fi zimmatillah. C'est lui qui fait fajr, il est sous responsabilité Allah. C'est moi, vous connaissez comment était? À ce moment, vous connaissez comment était. C'est lui qui fait Fadja. Oh, Fawa Fidim Matilla. Il est sous la responsabilité d'Allah. Veut dire, un djimoun qui fait Fadja, et l'imot sous quoi? Subhanallah. Qui vous a plus que ça, frère? Ou pas trouver, prendre des puits, ban sahaba, comme n'y est pas mis eux, finmo dans les Fadja, frère. Omar radiallahu anhu, banat lui dit en plein amas fajar. Ali radiallahu anhu, li pe sauti li pe al fajar. Banat lui dit. Et na comme les sahaba, jout l'amour, il n'écrit sa lia là. Parce que sa lia là, devine sous la responsabilité d'Allah. Dans la journée, tu es un mot correct, tu fais fajar, un matin, toi. Et si tu donnes responsabilité à Allah, connais, personne ne peut pas dénigrer toi, un jour là. Qui te raconte, vous gagnez ce L'autre côté là-bas nous dit Wala yarizu man radeit. Paye une personne pour capable honor en qui te fait divin de l'ennemi. Radawa veut dire l'ennemi. Radeit veut dire te fait divin de l'ennemi. Paye une personne ou Allah. En d'autres mots, chers frères, quand nous guettons, Allah subhanahu wa ta'ala, comment nous dire Ou vint sur l'ennemi, ou vint sur l'ennemi, ou vint sur personne. Mais seulement, si quelqu'un a envie de vivre l'ennemi Allah, vous pensez que vous continuez? Si quelqu'un a envie de déclencher la guerre contre Allah, si quelqu'un nous les rebelle avec la loi Allah, faudrait nous avoir sa tranquillité là, que si tu peux vivre l'ennemi avec Allah, ça met vous dans l'honneur là-dedans. Ça met vous dans l'honneur là-dedans. Et ça, il vient plus encore la loi Allah. La loi Allah. N'importe qui quelque chose que vous trouvez, connaît, mais il y a la loi qui est capable d'impliquer dans n'importe qui place, excepté c'est la loi Allah. Il donne nous la case, il concerne nous l'héritage, il concerne nous la portage, il concerne nous le mariage, il concerne nous maillette, n'importe qui, la loi Allah passe avant. Si je n'ai pas obéi à la loi Allah, ça veut dire que je peux rebeller avec lui. Si je rebelle avec Allah, je n'ai aucun donné pour attendre toi. Je n'ai aucun donné pour attendre toi.
Si je défie la loi Allah, demain il y a un mariage contre moi. Ok, comment on fait un mariage là? Nous avons dit, mais dis-moi, tu as quoi avec ça? Qui est dans là-dedans? Ok, tu peux défier. Quand tu défies Patan, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne toi le niyalos. Il s'est un frère. De maintenant, du bien à l'un de toi, tu as fait la portage, tu as fait l'héritage. Quand tu mourras, tu as donné d'après la loi Napoléon. Tu ne peux pas mettre la loi Allah. Tu ne défies la loi Allah, oui non. Qu'on n'ait pas aucun donné pour toi là-dedans. Pas pour aucun donné. Y aller comme ça, frère. Donc, moi, nous disons, ça des phrases là, ce n'est pas de loi dans lui-même, ça. Mais c'est juste une petite chose qui nous peut reconnaître envers Allah pour dire, oh Allah, un c'est lui qui te prend toi. Puis, il n'y a personne capable de dénigrer lui. Mais seulement, un c'est lui qui te fait l'ennemi en toi. Puis, il n'y a personne capable de nier. De l'ilonir et inshallah vendredi nous prend dernier parti de dua qunut wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.